Une dizaine de paires de ciseaux en main, un liquide moussant, une serviette de fortune. C'est tout ce dont a besoin Soumaïla. Le jeune homme de 22 ans est coupeur d'ongles ambulant. Couper, tailler et nettoyer les ongles des orteils et des doigts, il en a fait sa spécialité. C'est ça qui est mon ciseau. Donc quand moi venir ici à Abidjan, c'est ça seulement qui est mon travail. C'est, si quelqu'un ne connaît pas, c'est lui qui est blessé. Mais si quelqu'un connaît, travaille bien, ne laisse pas. Comme Soumaïla, chaque jour dès le lever du soleil, de nombreux adolescents d'origine nigérienne parcourent les artères de la capitale ivoirienne à la recherche de la clientèle qui très souvent préfère cette méthode artisanale tout en faisant fi des dangers qui les guettent. C'est 50 fois, en tout cas c'est moins cher et il fait bien. On dit ça donne maladie. Moi même mon père n'aime pas qu'on fait, mais on fait quand même. J'ai conscience des risques, mais on fait avec. C'est Dieu qui nous protège. Je suis au courant qu'il y a des maladies, mais je prends le risque quand même. 50 à 100 francs CFA. La somme est peut-être insignifiante, mais à la fin de la journée, le compte est bon pour ces coupeurs d'ongles. Souvent, ça dépend. On peut avoir 2000 ou 1500, ça dépend. J'ai trouvé 2500 ou bien 3000 comme ça. J'ai parti à la maison. Une inquiétude demeure cependant. Pas sûr que cette pratique artisanale soit sans risque. Le même matériel tranchant servant toute la journée à couper les ongles sur tout type de pieds et de doigts. Oui, ils m'ont blessé une fois. Bon, j'ai mis au désavel, j'ai dit bon, c'est bon, il n'a qu'à partir. Les coupeurs d'ongles ambulants, quant à eux, se veulent rassurants. C'est le seul là-bas où j'avais. Je prends au javel pour laver le ciseau là. Vraiment, je mets au javel, je lave avec ça. Je javel sous moi-même. Les coupeurs d'ongles ambulants ne font toutefois pas l'unanimité. Pour une partie de la population, pas question de présenter ses ongles d'orteil et de doigts à ses amateurs. Alors, on les nettoie soi-même ou on se rend dans les espaces de beauté. Mais elle préfère faire ça avec mes dents. Non, il préfère mes dents, quoi. Pas qu'on me blesse. C'est ma femme qui fait pour moi. Ouais, les jours, bon, samedi, dimanche, je suis à la maison. Il y a les produits, bon, qu'elle achète au marché, elle vient, elle me fait ça à la maison. Je me débrouille à la maison, je préfère faire à la maison. Moi, j'ai mes matériels. J'apporte chez celle qui me nettoie les ongles et puis elle le fait. Oui. Mais ici encore, la stérilisation du matériel utilisé pour l'entretien des ongles laisse à désirer. Il faut faire bouillir de l'eau chaude, bien bouillie, et tu trempes le matériel là-dedans. Tu mets un peu de javel, un peu de shampoing pour bien désinfecter, bien laver. Se faire couper les ongles entre deux courses. Ça fait gagner du temps et de l'argent, certes, mais on peut y perdre un doigt, un orteil ou même la vie. Alors, un minimum d'hygiène de la part de ces esthéticiens nomades pourrait rendre l'activité plus rentable, mais aussi, et c'est le plus important, plus fiable.